Bonjour à tous. Ben, le Père Noël il est en avance cette année. Voilà ce qui m'a amené. Post-inverteur 4000. Je ne vous donne pas la marque parce qu'autrement YouTube va me tomber dessus. Et alors j'ai eu affaire à une personne. Donc je l'ai acheté sur un site. Et j'ai eu affaire à une personne extraordinaire. Elle me met un message en me disant que l'emballage du poste que j'avais commandé n'était pas en bon état. Alors je dis, ouais, mais ça m'embête un peu parce que c'est pas l'emballage qui me dérange. Mais bon, est-ce que dedans et tout ça, enfin on discute. Et elle me dit, écoutez, je vais vous donner le dernier modèle. Il est plus cher. Mais vous l'aurez au même prix. Alors là, d'accord. Alors j'ai eu un cadeau, en supplément de. Voilà, donc 50 baguettes, des gants de soudure, une piqueuse, un marteau à piquer, une brosse. Ça, tout ça, c'était en cadeau, en supplément, alors que j'ai gagné quand même 40 euros. Et un tablier en cuir. Voilà le tablier en cuir. Voilà, j'ai tout eu en cadeau. Alors, j'étais super content. Voilà. Et alors, ça c'était prévu, mais alors je vais vous dire, extraordinaire. On y voit comme en plein jour là-dedans. Hein. Ça c'est vraiment du haut de gamme. Hein. Enfin, du haut de gamme. Il y a sûrement plus haut, mais bon. On y voit hyper bien là-dedans. Le masque. Voilà. Alors donc, avant d'acheter ça, ben j'ai fait le tour un peu sur YouTube, un peu partout, dans les prix que je voulais mettre. Enfin, c'est ma femme qui me l'a payé. Dans les prix qu'on pouvait mettre, si là, on a fait tout le tour. Je ne sais pas souder. Je suis en train de m'apprendre. J'ai compris que, alors on met ça là, hein, on met ça là dans la pince, ouais. Et puis celle-là, ben, on la met ici pour avoir le contact, c'est bien ça, hein, hein, les gars, c'est ça, ouais. Bon, non, je me moque, allez, c'est pour plaisanter. Bon, par contre, j'ai fait tout le tour, enfin le tour. J'ai fait pas mal, j'ai regardé. Et je suis tombé sur un site d'un jeune qui a acheté exactement le même poste. Il l'avait depuis 6 jours. Je pense que c'était un jeune qui était en apprentissage de soudure, quelque chose comme ça, je pense. Il ne l'a pas dit, mais bon. Alors, ben, il faisait voir ses soudures. Et dans les commentaires, alors là, la catastrophe. J'ai trouvé ça minable. Et encore, je suis poli, là. Les mecs, enfin, il y en avait deux ou trois, retourne à l'école, t'as vu tes soudures. Je trouve ça minable, dégueulasse. Un jeune qui veut démarrer, qui fait des soudures, bon, ben, ma foi, il s'apprend, hein. Comme moi, je vais m'apprendre. Et des commentaires, là, cons, comme ça... Putain, mais c'est pas possible, ça. Les mecs, ils sont anonymes. Ils vous mettent des commentaires comme ça. En face, ils lui diraient même pas. Je trouve ça, mais catastrophique. Ça, c'est... Bref. Ça me... C'est mon coup de gueule, là, parce que... Franchement, mais... Alors, moi, je lui ai mis un bon commentaire. Il m'a répondu en me disant que merci, ça lui remontait le moral. Mais bien sûr, attends, je comprends pas les gens, bref. Parce que c'est anonyme, ils se permettent n'importe quoi. Comme je vous dis, en face, ils ne diraient pas la moitié des choses. Ou alors, ils prendraient mon poing dans la gueule. Pff, bref, bon, allez, on arrête là-dessus, parce que ça me met en colère. Bon, alors, moi, j'ai fait 2-3 essais de soudure. Je ne vous fais pas voir de trop près, parce que autrement... Je vais avoir encore des trucs sur mes soudures. Bon, voilà, j'ai fait avec une bougie, j'ai fait un scorpion.
Voilà mon scorpion avec une bougie et une fourchette. Ça, ce sont les pics de la fourchette. Mais alors, généralement, il y en a quatre. Mais c'est tellement petit qu'il y en a une, elle a pété. Impossible de la remettre. Voilà, j'ai traversé. Alors, d'un côté, elle a pété, mais j'ai enlevé l'autre aussi. Ce qui fait qu'il n'y en a plus que trois de chaque côté. Bon, voilà. Ça, c'est mon premier essai. Mais je ne me suis pas lancé dans le... Dans le plus facile et dans le fond, parce que ces petites soudures là pour tenir les pièces et tout ça. Bref, je vais voir ça différemment. Et ça, c'est mon deuxième essai. Voilà. Voilà mon deuxième essai. Là, c'est pareil. Je vous fais pas voir les soudures. Vous voyez la forme, c'est déjà pas mal. Hein, comme ça, vous n'aurez pas à me critiquer sur les soudures. Alors, c'est mes premières soudures, de toute façon, je peux pas faire mieux. Ou alors, qu'on me fasse voir celui qui démarre, s'il fait aussi bien, quoi. Je sais pas, mais bref. Le guidon, là, c'est pareil. Bon, c'était trop intense, je suppose, ou quelque chose comme ça. Mais le guidon, je l'ai refait trois fois, il a cassé au milieu. La selle, c'est pareil, j'ai eu un mal de chien à la mettre en place. Bon, bref, quelqu'un qui va faire ça en 2 heures, moi, il m'en a fallu 6 ou 8. Bon, bref, c'est comme ça. C'est juste pour vous faire voir un peu ce que j'ai réussi malgré tout à faire à mes tout débuts. Voilà. Bon, les gars, écoutez, je vous laisse. Je vais continuer, je vais faire sous peu une table de soudure, parce que là je suis en train de pourrir ma table de coupe là. Par contre, j'ai pensé à quelque chose. Je vais peut-être par la suite, je dis bien peut-être, la recouvrir de tôle. De tôle que j'ai trouvé qui fait 1 mm d'épaisseur, comme ça je ne perdrai pas en distance, en hauteur de coupe, et je vais peut-être la recouvrir. Voilà, je suis en train de voir ça, parce que là j'ai mis ce carton parce qu'elle devient de plus en plus minable, la pauvre, surtout que je soude dessus. Bon, je soude sur quelque chose quand même, hein, mais c'est les éclaboussures qui, voilà. Bon, et bien écoutez, à plus tard. J'abandonne pas pour autant le bois, hein, ne croyez pas, non. Mais bon, je veux essayer ça également, la soudure, ça me plaît aussi. Tout ce qui est bricolage me plaît, de toute façon. Voilà. Alors, je vous laisse, et puis vous verrez ma petite table, qui sera posée là-dessus d'ailleurs. Hein. C'est une table que je poserai là-dessus, en supplément de... sur le dessus de cette table de coupe. Voilà, bon, mon poste il est là, tout petit, très léger, impeccable. Je suis très content de mon achat. Allez les gars, je vous laisse et à plus tard, ok? Ciao, ciao, bye.